Vous avez un grand défi à relever aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer une série de vidéos effrayantes qui iront du moins effrayant au plus effrayant, et à mesure que vous progresserez, les vidéos deviendront de plus en plus effrayantes. Pensez-vous pouvoir arriver à la dernière vidéo sans avoir peur? Nous vous avertissons que nous avons choisi la dernière vidéo parce qu'elle est tellement effrayante que 100% des gens qui la regardent ont peur. Qui est le courageux? Qui ose commencer? Niveau 1. Nous commençons par quelque chose de doux. Dans cette première vidéo, il se passe quelque chose de très étrange et difficile à expliquer, qui n'a même pas été nié jusqu'à présent. Elle se déroule au Brésil, dans un environnement contrôlé, avec des caméras de vision nocturne et des appâts. L'objectif de cette vidéo était d'enregistrer le comportement d'un renard dans son habitat naturel. Ce qui pour beaucoup était une simple recherche sur les animaux, est rapidement devenu un événement surnaturel. Dans la vidéo, vous voyez un renard qui a commencé à manger la nourriture proposée par ce groupe de personnes. Son comportement était étrange, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. De nulle part, une énorme ombre noire est apparue, grande et robuste, se déplaçant à vitesse maximale et s'attaquant au renard. Ce dernier disparaît sans laisser de traces. Il semble que cette figure géante ait kidnappé l'animal sans faire de bruit. Niveau 2. Êtes-vous arrivé à ce niveau? Nous ne pensons pas que le niveau 1 était un défi pour vous, n'est-ce pas? Mais nous allons augmenter l'intensité. Dans cette vidéo, nous voyons Laurie Simmons qui parlait par le biais d'un appel vidéo avec son amie Shanna Thomas. Laurie a dit qu'elle était complètement seule dans la maison. Mais quand elle se promène dans la maison, on peut voir un garçon qui joue derrière elle, essayant de se mettre devant la caméra. Allons voir la vidéo. Niveau 3. Nous sommes au niveau 3, maintenant les choses vont devenir un peu moins sympas. La vidéo suivante a été prise au Japon, et l'on voit un groupe de jeunes gens dans une sorte de soirée pyjama. Apparemment, les filles s'ennuyaient, alors elles ont décidé de prendre une photo avec une tablette. L'une d'entre elles place l'appareil devant son partenaire, et lorsqu'elle se concentre sur elle, elle remarque que derrière elle, une figure diabolique effrayante apparaît. Celle-ci avait les cheveux longs, très abîmés, un regard de terreur et une robe blanche. La fille a lâché la tablette de terreur. Il est clair qu'il n'y avait absolument rien derrière cela. Voici la vidéo. Niveau 4. Nous sommes à mi-chemin, et à ce niveau nous allons voir si vous êtes capable de continuer. Un homme a commencé à entendre des bruits étranges venant de son sous-sol. Il a rapidement pris sa caméra et s'est aventuré à enregistrer ce qui se passait. Dans la vidéo, vous entendez un son très fort, comme quelqu'un qui descend ou monte les escaliers. Bien que l'homme n'ait pas eu peur, l'atmosphère était très tendue, car il ne savait pas ce qu'il allait trouver. En descendant, il s'est rapidement effondré de peur en voyant une ombre se profiler au bas des escaliers. Il a couru rapidement vers le sous-sol, mais il n'y avait absolument rien. Regardons la vidéo. I know I hear you down here. I know I heard you. Holy fuck! Oh my dude! I just saw it. Holy shit, man! Holy fuck! Holy fuck, dude! I swear to gosh, I just heard it. Holy shit! Niveau 5. Peu à peu, les vidéos commencent à devenir plus terrifiantes, de sorte que la suivante demande plus de force et de courage. Tout se passe dans un système de transport au Mexique, où l'on a pu entendre des bruits très étranges, des cris, des pleurs, tout indiquait que c'était une personne piégée. Ils sont descendus rapidement pour voir ce qui se passait avec des caméras, des lampes de poche et une équipe pour sauver la personne en question. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient rencontrer un étrange phénomène paranormal qui ferait fuir n'importe qui. Nous nous trouvons dans l'installation Metro Cali, aquí en las, aquí abajo en el sótano, escuchamos unos ruidos, probablemente de la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir. Entonces estamos averiguando, en este momento tengo el celular encima de una caneca.
A ver qué es lo que acontece. Mi nombre es John Heider Sánchez, estoy con Orlando Figueroa. ¡Guayaba! ¡Vení! ¡Sánchez! ¡Venga! Uy, Dios mío, bendito. Uy. ¿Pasó, weón? Yo no, weón. Mira, ve. Uy, marica. Yo no, marica, es que mira, ve. Uy, Dios mío, bendito. Yo en eso no creía. Uy, weón. Uy, ¿qué será eso? Quedémonos calladitos, que si calladita no vayan a decir, no vaya a decir nada. Uy, weón, ve. Uy, yo en eso no creía, no creía, pero ya como un niño cargado, ¿sí o no? Lorsqu'ils sont arrivés sur le site, c'était un sous-sol de cette institution. Ils ont commencé à demander très prudemment s'il y avait quelqu'un. Pendant quelques minutes, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu ni réponse, ni manifestation de vie humaine. Cependant, la caméra a continué à tourner, capturant un événement fantomatique très choquant. Sans que cela puisse être vu directement par l'œil humain, l'équipement électronique a enregistré une étrange silhouette, une sorte d'ombre qui se déplaçait d'un côté à l'autre. En s'approchant, on pouvait voir la silhouette d'une femme tenant un bébé dans ses bras. Niveau 6. Si vous avez réussi à aller aussi loin et que vous n'avez toujours pas peur, félicitations, nous y sommes presque. Celle-ci a été enregistrée dans une morgue où des jeunes se rendent dans l'un des couloirs les plus effrayants de cet endroit, un lieu où ils emmènent les corps qui sont examinés ou préparés pour leur enterrement. Au début, ils entendent des bruits sourds de métal, comme si une grande porte était déplacée avec une grande rage. La scène est sombre, une lumière clignote, rendant l'atmosphère hostile et terrifiante. En s'approchant, on voit clairement comment une grande porte s'ouvre et se ferme avec beaucoup d'énergie. Le mouvement de la porte était complet, comme si quelqu'un avec un bras long le faisait. Lorsqu'il s'approche à quelques mètres, le bruit s'arrête à côté de la porte qui est laissée entrouverte. Il s'approche avec précaution et remarque que rien ne déclenche ses mouvements, ne laissant qu'une seule conclusion, une activité paranormale des plus intenses jamais enregistrée. Niveau 7. Rien n'est plus terrifiant qu'une vidéo enregistrée dans la vie réelle. Et pour ce niveau 7, nous verrons la vidéo qui montre un ami imaginaire. Ces personnages sont créés par des enfants en bas âge, qui sont pour la plupart solitaires. Ils cherchent à se sentir moins seuls et manifestent une création de leur esprit avec laquelle ils jouent et créent un lien particulier. L'histoire se déroule au Japon, où des parents filment leur fille en train de manger pour la première fois un aliment. Au cours de ce processus, il parle à la fille et lui demande si elle aime ce qu'elle mange. Elle hoche la tête avec beaucoup de respect. Tout change rapidement lorsque la jeune fille fait un salut à distance et signale à ses parents qu'il y a un homme derrière elle. Dernier niveau.
préparez-vous car cette dernière vidéo est la plus forte et la plus effrayante de cette compilation. Et pour ce dernier niveau, si vous n'avez pas peur, vous venez d'un autre monde et vous avez gagné le défi de cette série de vidéos. Ici, nous voyons une scène où la nuit est le protagoniste. On peut voir une porte de chambre très sereine, calme et tranquille jusqu'à ce que peu à peu cela devienne plus inquiétant. Il vaut mieux ne pas continuer, nous vous laissons ici la vidéo. Un conseil, faites attention en la regardant. Les histoires paranormales et les vidéos effrayantes sont légion sur le web. Ce n'est qu'un petit échantillon de ce qu'il y a. Vous seriez surpris de savoir qu'il existe même des histoires de vrais monstres sur la planète. Voici la vidéo si vous voulez en savoir plus.